Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez différente de d'habitude puisqu'on va tester ensemble un jeu qui a été fait sur Unreal Engine et qui est vraiment photoréaliste. Donc j'avais vraiment envie de vous présenter les créations de cette personne donc, qui s'appelle Matt. Je vous mettrai en description le lien vers son Instagram, vers son site web. Et je vous montrerai aussi comment vous allez pouvoir télécharger ces jeux, notamment sur Steam, la plateforme de jeux que vous connaissez sûrement, pour tester et vous balader un petit peu dans ces environnements 3D qui sont juste magnifiques et qui ont été réalisés dans Unreal Engine. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, les graphismes sont juste magnifiques et en fait, il a voulu recréer différents environnements qui existent déjà, notamment les Alpes en France, donc le Parion à Saint-Gervais-les-Bains, notamment le Japon à Yamagata, un lac en Italie, également une plage en Australie, en Islande, également à Kyoto, au Japon, etc. Donc c'est vraiment super. Et en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre compatible ces jeux avec les casques VR, la réalité augmentée. Donc ça aussi, c'est top. Et son but final, ça va être de sortir un jeu sur Steam avec les 10 maps, 10 environnements que vous allez pouvoir faire, vous promener, prendre des photos, etc. Qui sortira bien sûr sur Steam. Donc vous pouvez whitelister le jeu dès à présent sur la plateforme Steam, et je vous mettrai en description également le lien vers le serveur Discord pour tester, pourquoi pas, les nouveaux environnements qui sortiront. Donc sur ce site, vous allez retrouver toutes les maps que je vous ai parlé tout à l'heure, et certaines que vous allez pouvoir télécharger, notamment celles au Japon et par exemple celles en Australie, il me semble. Après, par exemple, pour celle-là, le Parion Chamonix, j'ai pu la tester, mais je ne l'ai plus sur mon PC, et aujourd'hui on ne peut plus parce que c'était une bêta qui durait, il me semble, quelques jours. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sur le jeu au Japon, que vous pouvez télécharger sur Steam si vous voulez tester, et qu'on regarde ça directement ensemble. Donc on se retrouve directement sur le jeu, donc quand on démarre direct, on est dans un appareil photo. Comme je vous disais, c'est un petit peu le but du jeu, c'est prendre des photos, etc. D'ailleurs, à propos des photos, vous avez sur certaines maps, moi quand j'avais testé celle des Alpes, une petite pancarte avec plein de photos, d'objectifs de photos à faire, et vous devez trouver l'endroit sur la map et prendre à peu près la même photo. Ça va vous permettre de débloquer par exemple d'autres météos comme la nuit, comme le lever du soleil, etc. Donc ça rajoute un petit peu de choses à faire quand même dans l'environnement 3D. Donc on va démarrer, j'appuie sur espace et on se retrouve directement ici. Donc on peut se balader, voilà, avec les touches W, appuyer sur Shift pour courir par exemple. Comme on peut le voir, bah, graphiquement c'est magnifique, hein. Le but c'est de refaire un petit peu du photoréalisme. Donc on a des lumières qui sont super belles, on a des objets 3D aussi qui sont super beaux. On peut se balader à peu près partout sur la map, et c'est vraiment assez grand à chaque fois. Là je vais essayer d'avancer un petit peu pour vous montrer. Là par exemple, on a un petit plan de tout le temple et de tout ce qu'on peut faire. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super beau. Là, on a même un petit balcon avec la ville qu'on voit directement. Le temple qu'on peut explorer, se balader. Pour sortir l'appareil photo, ça va être la touche espace. Voilà, on peut zoomer avec directement la molette. On peut faire un focus, etc. Et on a accès à pas mal. Donc si je fais la touche Alt, à pas mal de touches comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Pour régler l'appareil photo, ça va prendre des captures d'écran que vous allez pouvoir enregistrer sur votre ordinateur. Pour changer la météo sur ce jeu là, vous appuyez sur échappe. Ici directement, vous pouvez vous téléporter à des endroits. Donc comme on peut voir, je viens de prendre une photo et donc ça m'enregistre ça comme un point de téléportation et je vais pouvoir me téléporter à cet endroit si j'ai envie. Mais moi je vais cliquer ici pour avoir la map de nuit avec l'éclairage, c'est vraiment magnifique. Donc là, comme on peut le voir, on apparaît comme ceci. Il pleut, il fait pas super beau. On a des super effets avec le soleil. Et on va tout de suite rejoindre le temple. Donc voilà de nuit un petit peu ce que ça donne. Niveau éclairage, niveau ambiance. C'est vraiment, vraiment très très beau. Donc je vous le rappelle, hein, je vous mets le lien en description sur Steam si vous voulez télécharger le jeu. Et bien sûr, il y a d'autres jeux, enfin d'autres environnements que vous allez pouvoir tester, comme l'Australie par exemple, etc. Et quand le jeu complet sera terminé, vous aurez 10 maps comme celle-ci pour vous promener. Donc là, il me semble que cette version, elle a été faite avec Unreal Engine 4. Donc c'est pas du tout les dernières versions qu'il a sorties. Et vous avez les dernières qui sont sur Unreal Engine 5. Et pour avoir testé
la map sur les Alpes, c'est vraiment encore un niveau au-dessus, un step au-dessus. De toute façon, je vous en parlerai directement quand le jeu sortira et je vous ferai un petit test sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour cette petite vidéo, voilà, c'était assez court, mais j'avais envie de vous présenter ça parce que je trouve que c'est vraiment super. Ici, comme on peut voir, on a le petit coin, comme je vous le disais, avec les photos. Voilà, que vous pouvez essayer de refaire si vous le souhaitez. Donc voilà, c'était Alex. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!